Something I need to talk to you about. You're not pregnant again, are you? Honestly, this thing I got going on, it makes about as much... You know what? You want proof? Let me do something crazy with that guy, and you'll get your proof. Now, where'd that jackass go? Et voici un test de driver San Francisco, enfin le nouveau driver. Vous pouvez le voir, je teste tous les modes. C'est presque un GTA Live, donc je peux pas écraser les gens, c'est chiant. Ils échappent. Mais non, pas le rouge. Ah, ça c'est bien le freinage. Comme vous pouvez le voir, on a du rouge, pour ceux qui le voient, parce qu'on a un problème de caméra. Il y a du rouge, du bleu, du orange à aller chercher. C'est là où on doit aller. Bon, évidemment. Et à côté, on a une barre de vie. Et ça, encore une fois, c'est le mode que je n'aime pas. Voilà, objectif sur R. Mais en aucun cas... on peut changer de bagnole. Ce qui est bien sûr qu'il est presque GTA Light. Ce driver-là ne possède pas de mode comme dans le 1, comme dans le 2 ou dans le 3. C'est la bonne méthode du bon driver. Je viens de vous dire, c'est la première fois que j'y joue. Je viens à peine de l'acheter aujourd'hui. Elle vaut 69 hein, quand même. Hein. 69 euros. Et je suis toujours aussi nul. Ah ouais. Ah oui, la croix me permet d'activer ça. Je suis bloqué, ça y est. Oui, je suis très nul. Je suis pas très bon conducteur. Hein. Mais voilà. Putain, j'appuie sur X en pensant que ça fait un freinage comme dans GTA 4. Eh ben non. Oui. Donc ça fait la bonne Smash Bros. 5, 4, 3, 2, 1. Ça va écouler. Fin de la vidéo. Fin de la vidéo de Driver pour moi.